Cyril Quentz, je suis l'animateur qualiticien de la coopérative Copsol Fruit qui donc génère un tonnage chaque année d'environ 300 tonnes de figues destinées à la confiture, tonnage qui est récolté sur environ 80 hectares de vergers. Et la coopérative travaille avec l'entreprise Ravifruits depuis environ une vingtaine d'années. Ici dans le bassin de Solliès-Pont, on récolte la variété Bourgeassotte Noire, plus communément appelée figue de Solliès, depuis l'obtention du label AOP. Cette variété trouve dans ce terroir de production toute sa plénitude. Tout ceci est lié au terroir. Alors le terroir, c'est l'interaction d'éléments climatiques. Il faut savoir qu'ici, on se situe dans un bassin bordé de relief, à proximité de la mer Méditerranée, si bien que nous aurons non seulement des températures chaudes, mais également une humidité, une hygrométrie de l'air qui permettra aux fruits d'avoir des calibres magnifiques et d'avoir toute sa typicité gustative. Donc cette typicité gustative se retranscrit dans le parfait équilibre entre saveur acidulée et saveur sucrée. Mais le terroir ne suffit pas, les savoir-faire ancestraux, locaux, respectueux de l'environnement, permettent justement de valoriser ce terroir et d'obtenir la typicité caractéristique de la figue de Solliès, qui fait qu'aujourd'hui c'est un fruit très prisé sur les étals et également dans le monde de la transformation, puisque par sa saveur, ses valeurs de sucre remarquables, c'est un produit qui va être utilisé à toutes les sauces et qui au jour d'aujourd'hui a acquis une notoriété que l'on peut qualifier de légitime. Le figuier à Solliès-Pont est heureux quand il a la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, pourquoi? Il faut savoir que le Gapo est un fleuve qui donne à nos sols toute leur fertilité. C'est vraiment le fil conducteur du paysage. Sans la présence du Gapo, la figue de Solliès n'aurait pas toutes ses spécificités et n'aurait pas acquis ses lettres noblesse au fil des décennies.